Bonjour à toutes et à tous, ici Rémi et aujourd'hui je vous présente une application sur Cydia ProTube. Donc ça fait très longtemps qu'elle y est, mais c'est une application qui me tient à cœur. C'est une superbe application dont je veux la faire partager. Donc cette application là permet en fait de télécharger des vidéos, soit en musique ou en vidéo, avec la résolution qu'on veut. Voilà, c'est vraiment. Ou même de regarder une vidéo avec une bonne résolution. Donc là, regardez. Donc là, regarde une vidéo de Cube World avec la résolution par défaut de l'application YouTube. Donc voilà, ça laisse un peu à désirer, comme vous pouvez voir. Donc, on va télécharger l'application sur le Cydia Store. On va aller la lancer, ensuite cliquer sur la petite flèche en bas à droite qui monte. Donc là, on a un volet qui s'ouvre. Donc avec à droite, information, URL, sauvegarder, stream, télécharger. On reviendra à plus tard pour ce volet. On va cliquer sur stream et donc là, on choisit la résolution pour lire la vidéo. Donc on va par exemple cliquer sur 720. Donc la vidéo charge, donc c'est plutôt long vu que c'est de la haute définition, mais la regarder, c'est beaucoup plus beau à regarder. C'est mieux pour les yeux, donc ensuite on peut recliquer sur la flèche et choisir 1080p. Donc la vidéo charge. Donc la regarder, on va zoomer un peu, voilà, donc là c'est vraiment beautiful. Pas d'autres mots, c'est très beau à regarder. Donc on va cliquer sur la flèche pour regarder le volet. Donc tout d'abord on a information, donc c'est l'information de l'application. Donc là on va cliquer sur OK, ensuite la flèche pour ouvrir le volet, donc dans URL, donc on a copie pour copier le lien URL, open pour l'ouvrir dans votre navigateur et share pour le partager. Et ensuite nous avons sauvegardé pour voir un gestionnaire de vos vidéos. Ensuite on rouvre le volet, on a téléchargé, donc là on peut choisir les résolutions, donc on va prendre du 720p pour charger la vidéo, donc Cube World. Donc là c'est assez long, c'est normal vu que c'est du 720p et que la vidéo dure une trentaine de minutes. C'est pareil, c'est même encore plus long si vous choisissez du 1080p. Donc voilà, donc c'était Rémi, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.